Salut à tous et à toutes, c'est Baz et Fun, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur les Sims 3. J'ai l'impression que ça fait 50 ans que j'ai pas tourné, moi je sais pas pourquoi, genre le week-end, vu que j'ai reposté samedi, vu que j'ai reposté samedi mais que j'avais tourné, bah si vous voulez, le dimanche, c'était déjà fait, j'avais qu'à aller poster en fait. Ça fait bizarre. Bon, on venait de finir. Nous serons émergés, j'ai pas regardé les top commentaires. Je suis désolé, je suis tête en l'air. Voilà. Alors, les top commentaires. Ah ouais, il y a 3 pouces verts sur un épisode qui me dit: mais Belzéphone, c'est stupide ce que tu fais là, tu prends 10 épisodes à faire une maison que tu vas utiliser pendant quelques épisodes vu que la saison 4 sera dans le passé, donc elle habiterait chez Medico et toi. Pouce vert pour qu'il le voit, même s'il lit tous les commentaires. Alors déjà, ouais, comme c'est dit, je lis tous les commentaires et j'avais déjà répondu d'ailleurs à ce commentaire-là par écrit. Déjà, je prends pas 10 épisodes à faire une maison, c'est que le troisième épisode et j'ai déjà fini le rez-de-chaussée. Et en plus, la saison 4, j'ai jamais dit qu'elle serait dans le passé. J'ai dit que la saison 5 serait possible qu'elle serait dans le passé, mais la saison 4 sera à l'université et donc pas du tout dans le passé. Et de toute façon, la saison est loin d'être finie puisqu'elle va le finir début mars. Donc en attendant début mars, il y a quand même un tas d'épisodes qui vont encore sortir et qui seront dans cette maison-là normalement. Et croyez-moi, je sais ce que je fais, sinon je le ferai pas. Sinon, j'aime beaucoup cette maison, elle est vraiment très belle. Merci. MS Minia 38. Ouais, parce que maintenant je vais dire les pseudos des top commentaires, ouais. Vous allez tous vous battre pour les top commentaires. Ouais, je veux que Baldéphone dise mon prénom. Mais c'est pas parce que je vous dis votre prénom que je vous aime plus qu'un autre. Je vous aime tous à égalité. Oh. Ouais, le gars super pacifique. Pacifiste? Pacifique? J'habite sur l'océan Pacifique. Fuck you. Bon, je vais juste réajuster un peu la façade pour le coup. Modifier cette porte également. Oh mon dieu, mais. Que s'est-il passé avec cette puerta? Non, mais je vais prendre celle-là. Alors, le rez-de-chaussée est techniquement fini. Je dis bien techniquement parce que vous me connaissez. J'aime ajouter des détails. Notamment la porte de derrière. Putain, mais cette musique, elle est horrible. Attendez. Non, mais parce que la musique, elle me stressait en fait. J'étais là avec ma musique égyptienne. Alors, normalement, aujourd'hui, ça devrait pas bugger puisque j'ai tout réglé. J'ai fait de la place, hein. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai un ordi fait pour tourner. Et j'ai donc 2 TO et demi, je crois, de place. C'est énormément de place. Ce qui fait que je fais jamais gaffe à la place. Mais vu que tourner, ça prend toujours beaucoup de place, ben, à chaque fois, j'ai plus de place. Puis je suis là. Enfin, je fais pas gaffe parce que je pense que j'en ai encore. Ce qui est totalement con de ma part, hein, on est bien d'accord. Une porte à une alien! Ouais, non, je veux pas mettre ça. J'aimerais trouver une porte de sortie, mais. Ça, c'est pour aller au jardin, je pourrais mettre ça. Ouais, non, mais c'est. Je voudrais mettre. Ah bah, je voulais mettre une porte-fenêtre, au moins, comme ça, c'est mi-porte, mi-fenêtre. Ma phrase, elle était d'un con. Oh mon dieu. Alors, je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai refait un peu la déco de ma chaîne, mais c'est provisoire, hein. Je vais vraiment refaire ça plus design. J'ai l'intention de prendre un fond bleu très très clair parce que. Ouh, c'est moche. Je vais juste prendre la couleur. J'ai l'intention de refaire avec une autre couleur de fond, etc. J'ai l'intention de refaire un petit peu le fond. Ça change quoi là? Presque rien en fait, je suis en train de me dire. Attendez. Voilà. Bon, puis pour l'extérieur, c'est bon quoi, ça fait joli comme ça. Parce qu'en fait, je voulais que ça aille avec ça. Mais je sais pas. En fait, vu que c'est un bug de couleur, parce que normalement c'est comme ça, ben ça allait pas avec au début. Bon! On va pouvoir s'attaquer au truc. Alors, pour ceux qui n'auraient pas bien vu la cuisine dans l'épisode d'avant, parce que bon, je l'ai vraiment montré à l'arrache pour le coup, je l'ai faite. Ah bah attendez. Ah ouais, non, ça, je peux pas mettre la vue spéciale. Je l'ai faite comme ça. Donc, c'est simple, c'est petit, c'est jaunâtre, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors. J'aimerais faire des escaliers mi-bois, mi-blanc en fait. Non, pas ça. En fait, ça c'est à peu près ce que je veux faire, mais c'est pas encore ça. Attendez, j'aimerais. C'est quoi ça? Moquette et tapis. Ah, enfin, j'ai qu'à prendre du tapis blanc. J'avais pas pensé à prendre du tapis. Du tapis! Ouais, regardez, c'est joli en mode tapis blanc. En fait, j'aimerais que tout le reste soit en bois, vous voyez. Comme ça. Ouais, non, mais par contre, le côté tapis, au final, plutôt prendre bois blanc, quoi.
Tant qu'à faire, autant... Ouais, non, mais pas dans ce sens-là, quoi. Voilà. Puis le mettre blanc. Ouais, c'est déjà plus... Ouais, mais maintenant, je trouve que les escaliers sont... ben... On va mettre en tout blanc, hein. Voilà. Et vu que ça, c'était le truc du couloir, on va garder la même décoration du couloir et du salon, mais là. Parce que bon... Parce que bon, déjà, je suis feignant. Et puis en plus, parce que, tout simplement parce que, bah, je sais pas, je trouve ça logique, c'est la suite du couloir. Mon dieu, mais tellement de meubles tout partout. Alors, voilà, je vais même récupérer les mêmes fenêtres. Elles font pas des masses de lumière, hein, par contre, ces fenêtres. Ah merde, j'ai foiré. Non mais j'en veux d'autres. Ok, ça va, c'est relativement lumineux. Ouais, mais là, je trouve que ça fait trop, franchement. Je vais laisser ça comme ça, vous savez, ça fait moins bizarroïde. Je vais surtout rajouter des lumières. Alors, je voulais en mettre une là parce que c'est mal éclairé. Et une là, parce que j'aime bien. Alors, ouais, je mets des appliques, mais je trouve que l'éclairage applique, vous savez, il est vachement plus joli et plus doux que les éclairages des grands... des grandes lampes qu'on met au plafond, je trouve ça moins agressif en fait. Bon alors par contre, il va falloir que je vire le toit. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le toit, mais il va virer, je suis désolé. Mais non, mais parce que là, il faut vraiment que j'agrandisse ça, quoi. Parce qu'en fait, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire d'autres pièces. D'ailleurs, je vais faire un truc ici. Hop, je vais virer tous les meubles. Contient un objet utilisé. Non mais ça, je m'en fous que ça contient un objet utilisé. Attendez, j'ai un petit souci. Je crois que je dois retourner en mode vie 5 secondes. Revenir au jeu. Oh, on va retrouver nos personnages un petit peu, là. Salut. Ah, j'ai pété la douche. Oh non, c'est pas vrai, je suis en train de dormir. Non, j'ai rien de... Moi aussi, je dors de toute façon. Moi aussi, putain, c'est bon, balle des phones. C'est bientôt fini, la maison. Eh, je suis invisible. Ah non. Eh, attendez, j'ai vu un truc bizarre, oui, dehors. C'est quoi? Ah! C'est juste un pommier, comme toi. Mais il est bizarre, il y a des pommes qui volent. Ouais, parce qu'il faut le récolter, on l'a pas fait. Moi, j'ai mis ma balle dans l'eau, même que je suis dégoûté. Et je mange. Bon, attendez, je fais passer un peu le temps. Comme ça, elle aura bien le temps de déménager, puis ça me dira plus. Mais qui t'utilise, vers une autre personne. C'est bon, je peux retourner bosser normalement. Bon, par contre, la maison, à la fin, elle sera déplacée. Hein. Croyez pas qu'elle va rester là-bas dans le coin tout paumé. Quoi, ça contient un objet utilisé? Ça se fout de ma gueule, là. Et comment je fais, alors? Ah, bah, je vais mettre Move Object On, je suis con. Puis tout à l'heure, je suis en galère, alors j'ai qu'à foutre Move Object On, quoi. Tadam! Ah, bah, voilà. Bon. J'ai utilisé un code, mais c'est pas de ma faute, c'était bugué. Bon, déjà, jour. Jour, nuit. Alors, hop. Alors, maintenant, va falloir qu'on se serve de cet espace. Celui-là. Pour faire trois chambres. Ou alors, parce qu'attendez, il y a moyen de faire une chambre à un étage au-dessus. Pourquoi j'arrive pas à enlever, là? Et pourquoi ça, c'est moche? Ah, c'est, ils ont mis des fondations sur le toit. What the fuck? Attendez. Voilà. Normalement, il y a moyen. Si au lieu de faire comme ça, on fait comme ça. De mettre des escaliers qui tournent, vous savez. Je sais pas vraiment comment expliquer. Des escaliers... un collimation. Voilà, j'ai trouvé le mot. Escalier comme ça. Sur les escaliers comme ça, par exemple, ça permettra de monter à l'étage et d'avoir une autre chambre là. Par exemple. Ce qui pourrait être pas mal. Bon, on va pas faire ça, on va d'abord voir s'il y a moyen de faire trois chambres ici. Bon, même si ça me paraît un peu petit pour une chambre d'un couple et une chambre simple. Mais on va voir. On va déjà considérer que ça, ça fait une chambre. Non. Non, déjà ça, non. Ouais, si.
Non, ouais, non, il y a vraiment pas assez de place pour faire trois chambres. Regardez, ça, c'est une chambre, c'est petit, quoi, pour une chambre. Même ça, c'est petit. Donc, je verrais plus... une séparation là, qui fasse deux chambres à peu près égales. Attention, balles et phones au monde, architecte, architecte. Et puis... oh, mince. Au pire, je peux carrément remettre des escaliers comme ça, non? Ouais, non, là, ça marche pas à cause de, du truc bidule moche, mais... normalement, si je mets ça comme ça... On va toucher, mais ça touche quoi? Ah, peut-être à cause de... Peut-être à cause de ça, bon, même si ça m'étonnerait. Ah non, c'est sûrement à cause de la poubelle. De la poubelle. What? De la fenêtre. Ouais, voilà. Au pire, je fais ça. Hein. C'est pas gênant, ça leur permet d'avoir un autre étage en plus. Ouais, allez, je vais faire comme ça. Bon, et puis en plus, ça va permettre de regagner un petit espace ici pour la chambre. Architect mode. Yep. Voilà. Donc là, ils vont regagner l'étage. Pour le coup, je sais pas trop comment je vais faire, en fait, l'étage. Parce que bon... Non, mais parce que bon, je veux dire, l'étage, ouais, c'est cool, mais... Je vois pas trop comment je pourrais organiser ça. Non, parce qu'il faut pas que ce soit trop grand non plus. Il faut pas abuser, c'est une chambre. Waouh, eh oh, waouh. Ouais, non, là ça va pas le faire. Je vais faire tout comme ça. Puis là, ce sera genre pour rentrer dans la chambre. Et puis donc là, je vais agrandir pour le coup. Comme ça. Et puis là, ça fera une chambre. Bon, c'est un peu spécial, mais... Ouais, bon, un peu, c'est carrément bizarre. Mais... Vous savez quoi? Non, j'ai une meilleure idée. S'il vous plaît. Je vais laisser comme ça pour le moment. On va dire qu'on fera un étage, donc on va mettre du plafond. Hop. Puis on verra ce qu'on fera par la suite. Et là, pour le coup, j'ai pas vu, mais on peut même récupérer un espace. Non, mais parce que j'aimerais bien m'occuper des chambres un petit peu aussi. Alors... Pour la porte, je vais reprendre des portes comme ça, hein, pour le coup. Puisque bon, ça c'est toujours, c'est parti de la même déco. Je vais essayer d'éclairer un petit peu la pièce pour le moment. Histoire d'y voir quelque chose, et puis après je personnaliserai. Non mais, genre je la retourne, puis elle se met dans le mauvais sens, genre, ouais non mais laisse tomber, hein. Ton sens il est pourri, moi j'en veux pas. Ouais mais écoute, t'es qu'une fenêtre, alors tu m'obéis. Hop. Bon, vous voyez, j'avance relativement vite aujourd'hui. Lolilol, c'était bonne blague. Vraiment, j'arrête de faire lolilol, parce qu'il y a des gens qui vont vraiment prendre pour un petit coup, alors que, pardon quoi. Merde, pourquoi tu foutis haut? Ah ouais, c'est parce que j'ai pris celle-là et celle-là, elle était super haut. Ouais, non, mais je veux celle à la taille normale, ouais. Mais je veux dire, faut pas abuser non plus. Je vais voir si ça éclaire bien. Attendez. Ouais, ça va, franchement, ça va. Hop. Alors, pour la chambre, je verrai bien de la moquette. C'est agréable, la moquette pour la chambre. Bon, c'est dégueulasse. Clairement, la moquette, j'aime pas ça. Parce que la moquette, ça prend toute la poussière. Heureusement, personne n'est allergique dans leur maison. Mais j'avoue que c'est chouette, la moquette, quand même. Parce que c'est doux quand on se réveille, c'est agréable. Ah, oh, ça me donne envie de marcher dedans. Regardez, moi, j'ai pas de moquette chez moi, parce que mes parents trouvent ça dégueulasse. Je trouve ça pas très propre non plus. Mais ça reste quand même super chouette, la moquette. Le pire, c'est que vous savez que, j'allais dire dans l'ancien temps, mais c'est pas si vieux que ça, mais il y a des gens avant qui mettaient même de la moquette sur les murs. Ça va être bizarre. Puis je vois pas l'utilité. Je veux dire, la moquette, c'est fait pour marcher dessus parce que c'est doux. Mais de la moquette sur le mur. Attendez, j'essaie de me représenter quelqu'un qui marche sur le mur, là, donc...
Ouais, non, en fait, je vais éviter d'essayer de faire ça. mais non, mais c'est vrai, mais avoue que c'est bizarre quand même. Bon, peu importe. Alors, je vais prendre ce mur-là et personnaliser parce que j'aimerais mettre un motif au mur. Ouais, je mets jamais de motif au mur. Je sais, ça va arrêter de me critiquer. Mais j'aimerais mettre un motif pour une fois. Celui-là, c'est une chambre, alors, je sais pas, je me dis que peut-être qu'un motif, ce serait joli. Je vais essayer de remettre les motifs au goût du jour, donc celui-là, c'est mort. Bah non, je suis en train de me dire que je vais remettre les motifs au goût du jour, mais il faut aussi voir la gueule, les motifs. Ouais, non, mais les motifs, je crois que c'est mort, hein. Ah, celui-là, peut-être les yeux. Oh mon dieu, mais il y en a... Retour chez mémé. Bon, on va laisser tomber les trucs à thème, on va aller dans les géométriques. Oh, il y a des jolis trucs dans géométriques. Oui, c'était un mensonge. Ça. S'il vous plaît, vous pouvez me le mettre, parce que j'en ai marre d'atteindre. Oh, 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 ok, c'est moche. Putain, il y a des trucs, c'est horrible. S'il vous plaît, quoi. Oh, ça. Non, pas ça. Mais ça. Ouais, non, mais non, mais je vais laisser tomber ça. Je vais prendre la peinture de base, classique, hein. Ça va peut-être faire chier le monde avec ce que, tout ça. Non, mais eww. Je vais déjà choisir la couleur du sol. Il faut avoir une chambre blanche. Il y a encore des gens qui vont dire, ouais, mais c'est trop blanc. Ouais, mais les meubles seront pas blancs, alors vous arrêtez de m'embêter, ok. Et puis je vais faire comme Valérie Damido, hein. Je vais recolorer certains murs, mais genre que certains, vous savez. Genre, je vais on va faire une... Mais putain, mais je voulais en coloriser qu'un, là. Ouais, je m'en fous que ce soit perdu. Je vais en coloriser qu'un. Bon, attendez, je suis obligé de reprendre le mur. Merde, je sais lequel que j'avais pris. C'est celui-là. Ouais. Bon, je suis bon pour le recoloriser moi-même. Bon, c'est pas grave. Je vais faire comme Valérie Damido, je vais faire genre... Alors là, on va prendre une toute autre couleur. On va prendre par exemple... Une couleur qui n'est pas trop moche. On va prendre par exemple cette couleur-là. Et tout là, ça va nous permettre de faire une en-tête de lit. Je suis en train de me dire que c'est pas moche. Mon dieu, mais Valérie Damido aurait-elle de bonnes idées? Ouais, non, en fait, je suis en train de me dire que c'est vraiment Léon. Je sais pas, on va voir avec le lit ce que ça peut donner. Alors, plaçons le lit. Lit. Non, mais le lit, ouais. Non, mais un beau lit, s'il vous plaît, quand même. Enfin, un minimum de respect pour Monstre et Ariana. Bon, je vais reprendre... Ouais, non, je sais pas. Je leur voulais un lit moderne. Ouais, je vais le reprendre celui-là. Bon, bien évidemment, hein, ça me semble évident, je vais modifier le bois. Non, mais qui est laid, hein, faut pas... Faut pas se le cacher, mentir c'est mal. Enfin, c'est pas qu'il est laid en fait, ce qui va pas avec la chambre. D'ailleurs, je me disais peut-être que je pourrais faire ça par rapport au, à la tête de lit, justement, par rapport au... Oh! Oui, non, ouais, non, 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 ça va aller, hein. Non. Juste non. On va modifier leurs draps, non, mais parce que les draps vaches, ouais, non, mais... Non, mais non. Les draps en cuir, en plus. Ah, mais j'avais trouvé un truc chouette. Oh, je vais leur prendre ça. C'est joli comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et ça, c'est quoi? C'est le côté du lit? C'est quoi? Ok, c'est rien, apparemment. Non, mais je suis en train de me dire que cette texture de bois, elle est pas... Faudrait une texture de bois... Ouais, complète, comme ça. Voilà, c'est déjà plus... Par contre, non mais le... Je vais pas vraiment regarder ça comme drap, c'est pas possible. Mais bon sang, arrête de remonter, espèce de fucking souris de merde. Ah, j'aime beaucoup cela. Parce que, en fait, j'aime bien cela parce que je peux les faire assortir avec ça. Ouais, non, c'est trop foncé, là, en fait, le truc au-dessus. Je vais voir dans le résumé, hein. J'aime bien ça.
Un petit blanc, ça ferait pas mieux. Ouais, non. Oh, je sais pas. J'aimais bien ça avant, mais maintenant que je le revois, je me dis... Ah, ça, c'est chouette. Non, mais je vais prendre plus foncé pour là. Ouais, bah, pour le coup, je vais modifier le mur, en fait, parce que je vais prendre de la couleur des draps. Ouais, non, ouais, je sais, ça a aucun sens. Les gens n'assortissent pas leurs trucs. Ok, bon, ça va, hein. Je sais très bien que les gens n'assortissent pas tout comme ça, mais... Moi, j'aime... Oh, c'est trop foncé. C'est trop foncé. C'est ce que je trouve que ça fait bien, moi. De toute façon, on va voir à chaque... Est-ce que vous avez déjà été déçu par une de mes pièces? Non. Alors, vous allez voir que ça fera joli. J'ai vraiment pris le plus clair, là? Ok. Ça ressemble pas au truc le plus clair, mais... Enfin, je veux dire, je voulais la couleur de fond du drap, moi. C'est pas... Mais c'est pas du tout la bonne couleur. Attendez, et si je la mets par terre, cette couleur? Ouais, non, mais elle est clairement buggée, c'est pas possible. Bon, j'ai une idée, je vais prendre celle-là. Bah ouais, voilà, là, ça ressemble, on est d'accord, mais l'autre truc, il ressemblait pas. Hop. J'ai pensé faire ça. Ouais, non, parce que je me dis que là, va y avoir des tables de chevet. D'ailleurs, je vais les mettre tout de suite, avant d'oublier. Bon, alors, c'est très spécial, hein, pour le moment. Et c'est très grand, j'ai pas l'habitude de faire des aussi grandes chambres. Attendez, je vais en laisser une, parce qu'en fait, ça me perturbe, là, je vois que dalle. Remonte. Ok. Ah ouais, non, c'est sur le côté que c'est pas coloré, ok. Désolé, j'en avais pas vu. Voilà. C'est vraiment moche. Attendez. On va dire que c'est bien, hein. Hein, on va dire ça, ok. table de chevet. Je vais remettre ça en table de chevet parce que j'aime bien. Je vais aussi le personnaliser comme toutes les choses que je personnalise tout le temps. Et d'ailleurs, je sais que vous en avez marre, que je personnalise absolument tout, que je colorie tout, mais fuck! J'aime colorier les choses. Hop. D'ailleurs, j'aimerais prendre une autre couleur, la couleur des draps, pour mettre au-dessus. Bah là, pour le coup, la couleur, elle marche direct. What is the fuck? Bon, peu importe. Parce que là, je la voulais plus foncée, en fait. Hop. Et hop, voilà. Ensuite, des rideaux. Et vous dites, mais pourquoi des rideaux? Ça n'a aucun sens. Et il est devenu totalement taré. En plus, il pue du cul. Non, mais c'est pour mettre là, en fait. J'ai changé d'avis. je m'étais dit, ouais, je vais mettre là, ça va faire super joli. Hein. Ouais, non, c'est à chier, en fait. Hein. Oh. Je peux pas les augmenter de place, sérieux, c'est chiant. Genre, c'est sérieux. Ah, non, c'est bon, je peux le placer. Non, mais là, ils vont galérer à se coucher, vous avez genre les jambes... Au secours! Ah, mais je trouve ça chouette, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, non, ça fait un peu spécial, quand même. Un petit peu. Ouais, ça fait un petit peu comme si tu dormais sous une tente alors que t'es dans ton lit et ça n'a aucun sens. Ah, mais alors est-ce qu'on fait? On va mettre une petite lampe pour qu'il ne pète pas qu'une heure. Oh, on va mettre une petite lampe sans qu'elle puisse pas qu'une heure. Ça va être dirigé vers les livres qu'ils vont lire. Ils vont avoir une petite lampe, laissez-moi le temps de la trouver. Tout est vide, je suis pas mère. Je suis pas mais je trouve pas lampe que je voulais, c'est un petit peu chiant. C'est chiant, je voulais une lampe, fuck me, mais je la trouve pas, ça semble évident. Ah non, c'est normal, en fait, je me suis gouré et c'est pas ce que je voulais. Et j'en voulais une note, je vais vous laisser là, pour qu'il puisse lire, même dans le noir, c'est tout.
te laisser dans leur gueule, gueule. Je suis en train de me dire que c'est pas trop pratique. Et même que c'est carrément un peu moche, moche, moche. Ok, pardon, non, désolé. J'avais pas réalisé que j'étais en train de continuer de le faire, en vrai. J'étais genre à fond dans mon truc en train de chercher. Mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est les... Vous savez quoi, j'ai carrément la texture. Et bien voilà, c'est parfait. Perfecto. Ben. En fait, c'est pour qu'ils puissent lire. Bon, ça va un peu aussi leur péter la rétine, je crois. Je vais le mettre un peu au-dessus. Non, mais pas trop au-dessus, non. J'ai pas dit mettez-le à 50 mètres. Voilà, c'est pour qu'ils puissent lire, simplement. Simplement. Alors. Sur leur table de chevette. Ouais, je vais quand même mettre 50 ans pour faire une chambre. Ouais, je sais, ça va. J'ai vu que le temps passait, hein. Je sais pas trop ce que je pourrais mettre, en fait, là. Ah bah ouais, une horloge. Enfin, une sorte d'horloge. C'est quoi, une pendule murale? Oh, c'est space, hein, faut aimer. C'est aussi ce mural? Non, c'est pas mural. Oui, c'est moche. Je veux absolument ce réveil. Il n'est pas en coloris noir. Ah si. Ça, c'est quoi? C'est rouge ou c'est marron? C'est rouge. Je veux en noir. Et c'est peut-être un peu fort noir. J'ai dit que je voulais en noir, pas en charbon. Toi, c'était noir au maximum. Quoi, bon. Voilà, et là c'est plus grisâtre, mais voilà, bon. Une petite lampe. Ici. Bon, pas trop ce que je pourrais mettre, hein, franchement. Non, c'est vrai, il y a des trucs. À chaque fois que je shop, je suis là. Oh, tiens, je vais prendre ça. Hein. Puis, bah, au final, non, quoi, parce que. Je peux pas. Ouais, ça c'est, vous savez, le genre de vieille. C'est le genre de vieille. Non, c'est le genre de vieilles horloges que vous avez chez vous. Vous savez pas d'où elles viennent, mais vous les avez. Et genre, ça vous hante parce que vous demandez toute votre vie, mais d'où ça venait, putain. Et vous l'avez quand même. Et donc lui, il aura ça. Vous savez, c'est le genre de lampe qui marche même plus, là. Vous avez juste ça chez vous. Ça fait déco. Enfin, ça fait déco. Des fois, c'est moche, et puis vous savez pas quoi en foutre, alors vous le laissez juste là. Je sais parce que j'ai ça chez moi. Alors non, pas de radio, c'est pas autorisé sinon ils vont tout le temps l'allumer. Un cache-pot circulaire. C'est certainement rien les cache-pots. Regardez, en plus ça marche même pas les cache-pots. Je peux pas mettre de plantes dedans. J'ai jamais compris comment ça marchait. Regardez, je prends un cache-pot circulaire. Ouais, non mais d'accord, mais... What? Je comprends pas. Ça a aucun sens. Je peux peut-être planter des trucs dedans. Genre mettre des plantes du potager. Elle est pas un potager, la meuf? Non. J'essaierai ça plus tard. Si vous savez à quoi sert les cache-pots dans les Sims, aidez-moi. Dites-moi si c'est juste pour la déco ou... Non, mais parce que je vous avoue que je suis un peu paumé, là. Bon, je crois que c'est grand, hein. Moi, j'aime bien le côté comme ça. Je trouve ça cool. Je vais mettre un tapis sous lit. Non, mais ouais, mais ça n'a aucun sens. Je sais, personne ne met de tapis sous son lit. Mais en fait, ma vie n'a aucun sens quand on y pense. Et je suis en train de dire que je suis en train de dire de la grosse merde pour essayer de meubler mon épisode. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je fais que dalle à part... Bah, à part rien, quoi. Je pose des trucs sur des bibliothèques, puis je fais... Ah ouais. Trop cool, c'est ma life. J'ai pas de bolos dans ma life. Non, non, au secours, non. Quelle horreur. Pourquoi j'ai fait ça? Je m'en veux énormément. S'il vous plaît. Merci. Non, mais en fait, je veux prendre... En fait, j'ai totalement foiré ce que je voulais faire. Parce que oui, je veux un blanc, mais en même temps, non, je veux pas un blanc. Je veux prendre cette couleur. Oui, parce que oui, tout est forcément assorti chez moi. En même temps, je me dis que la couleur moquette aurait peut-être été mieux. Enfin, le tissu, là. Non, pas le tissu, je voulais moquette. Ah, quoi que je pourrais prendre ça? Ça fait texture tissu. T'as pas fini de charger? Non. Voilà, là, j'ai pris la texture. Non, j'ai plus qu'à prendre la couleur. Parce que la couleur, c'est nous, Schmitt. Ah ouais, non, mais en fait, c'est moche, j'avais pas vu que c'était moche. Bah, je vais prendre la texture moquette que j'avais dit au départ. Non, mais c'est pas celle-là que je voulais.
Ah bah, il y en a pas d'autres. Non, mais là, c'est à chier, là. Pourquoi j'ai ça? Ah, mais merde, j'ai modifié le lit. Au secours, j'ai un lit en moquette. J'avais pas vu que j'avais modifié le lit. Les oreillers, on dirait qu'ils sont en velours, genre, vous avez vu? Imaginez les oreillers en velours. Ça doit pas être très confortable, parce que le velours, c'est un peu dur, c'est pas... Ah, bah, et là, la texture que je voulais, genre, pourquoi je l'ai pas trouvé plus tôt? Je suis totalement teubé. Bon, peu importe. Ah bah, maintenant, ça me fait des traits chelous dessus. Je veux rien dire, mais c'est pas normal, hein. Ah, voilà. Ok. Voilà, c'est juste histoire que quand il se réveille, il pose le pied sur un truc doux. Je voulais le mettre centré, mais je peux pas, donc... Je me dis que c'est un peu à chier, comme ça. Je pourrais mettre comme ça, genre, histoire de faire genre que c'est un long tapis qu'ils ont mis sous... Oh, je sais pas. Ouais, bon, je vais mettre comme ça, hein. Voilà, j'ai arrêté de faire chier le monde. Là, je vais mettre une commode. Ça me semble évident, parce qu'ils en ont pas cœur, hein. Toum, 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 toum. Putain, on approche déjà des... Oh, pardon, désolé, je suis mal pris. On approche déjà des 40 minutes. Bon sang, mais j'ai le temps de rien faire dans un épisode. Oh, c'est laid. Enfin, c'est laid. Non, techniquement, c'est pas moche. C'est juste que ce n'est pas à mon goût. Faut que j'arrête de dire que tu y es laid, parce que c'est pas vrai. Les autres sont pas forcément laid, ils sont juste pas à mon goût. C'est juste que j'aime pas trop. Pourquoi je continue d'adapter aux couleurs du lit? C'est même pas le même endroit. D'ailleurs, je m'étais dit, par rapport au lit, peut-être que je devrais peindre aussi ce mur-là. Et tout là, comme ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, non, pas ce mur-là. Ce mur-là, ouais. Parce que ça fait genre coin chambre, mais pas le mur là-bas. Là. C'est ma merde. C'est de la merde, bleu. Alors. Je vais personnaliser comme d'habitude. Mais c'est trop dur à personnaliser cette merde. Ah. Comment ils veulent que je personnalise ça? Je sais même pas quoi et quoi. Bon, attendez, je vais essayer de mettre les pieds un peu plus foncés. Ouais. Je sais même pas ce que je fais, je sais même pas pourquoi je le fais, je sais rien, moi, je comprends plus. Et c'est quoi ça? C'est le dessus? Ah. Putain, faut comprendre, hein. Bon. Je vais la faire comme ça, c'est joli, tout le monde adore ça, c'est super fashion, tout le monde est en surkiff. Vous kiffez? Oui, merci. Là, pour le coup, mais non, mais pourquoi j'ai enlevé la fenêtre alors je pouvais en mettre une autre? Ah ouais, non, c'est vrai qu'on peut pas les augmenter de place. Eh ben, fuck it, hein, j'ai un peu envie de dire. J'ai envie de leur faire une petite déco quand même. Mais sérieux, on peut pas mettre des petites statues là dans les chambres, c'est pas possible. Ils ont dit non, mais les statues c'est mort quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Ah ouais, je vais mettre ça. Ça donne super envie d'aller dormir, putain. Ouais, bien sûr. Les trucs, ouais, ils vont avoir ça dans leur chambre, ouais, j'adore. C'est quoi? Ah, c'est une fontaine. Non, mais faut pas exagérer, quoi. Carrément une fontaine. Un flamant rose. Non, mais je rigole, hein. Je voulais pas vraiment mettre un flamant rose, bien sûr. Menu café des saveurs. Pour avoir un menu. J'ai le truc qui sert trop à rien dans une chambre. Dites-moi, vous voulez regarder le menu? Mais le menu, pourquoi? Je ne sais pas. Le menu de vos rêves. Vous allez choisir... Oh, ouais, des cailloux. The Tycoon Time. Ok, non, pardon. Faut que je me calme, mais faut que je finisse cette chambre. Parce que je suis en train de faire plein de trucs. Oh, c'est horrible. Je suis en train de faire plein de trucs sauf ce qu'il faut en fait. Je vais mettre ça parce que ça c'est joli. Ça passe pas dans la chambre de côté. Non, c'est bon. Bon, et puis là, je sais pas moi. Une bibliothèque. Ouais, bonne idée. Y'a pas une bibliothèque qui va avec par hasard? Ou ça va pas avec? Non, mais non, je crois pas en fait. C'est quoi ça? Étagère coup d'œil. Casier à nectar. Je me dis ouais, je vais mettre ça parce qu'au moins, bon ben voilà quoi, ça fera. Mais bon, c'est moche. Ouais, je sais, je finis pas mes phrases, ouais. Bon ben moi je sais pas, écoutez, hein, j'en ai marre. Peut-être que je devrais rétrécir là et puis qu'ils aient leur salle de bain personnelle. Ah, révélation. Je sais pas.
Je sais pas. Parce que sinon, je pourrais mettre ça là. Avec ça là. Et puis que genre... ici, ce soit une salle de bain personnelle. Enfin, une salle de bain pour deux, hein, techniquement. Ouais, non, mais maintenant, je trouve ça trop petit, en fait. J'aimais bien comme ça. Bon, même s'il y a des trucs qui servent à que dalle. Ah, mais je sais, mon monstre doit toujours s'entraîner. Enfin, ah non, il doit plus s'entraîner pour la logique. Ouais, ben, je vais quand même lui mettre son truc de logique. Là, ça fait déjà 35 minutes que je tourne. Faut que j'active mon cul. Sinon, je n'irai jamais poète. T'es poète. Et poète. Oh, une table de domino. C'est nul. En marbre? Qui agiterait un échec en marbre? Vous avez un échec en marbre chez vous? Si oui, tapez 1. Non mais tapez pas vraiment 1, le pauvre. Bon. Mais... Puis bon, ce serait pour jouer tout seul, quoi, donc... la solitude. Qu'est-ce que t'as fait, toi, hier? Bah, j'ai joué aux échecs. Ah ouais, avec qui? Bah, personne, j'étais tout seul. What? On sent, mais elle est tellement claire, elle pète tellement les yeux, cette chaise. Ah, voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre, sérieux? En fait, là, c'est vide. La chambre est jolie en elle-même, hein. Franchement, j'aime bien, mais c'est vide. Ouais, je regarde un truc pour enfants, je suis désespéré, je sais pas quoi mettre. je remettrais bien une télé, mais une télé dans la chambre, ça fait bizarre quand même. Je ne sais pas. Je me dis que ça va rester comme ça, mais... Bah attendez, il faut quoi d'utile dans une chambre? J'ai quoi d'utile dans ma chambre? Un ordinateur, un deuxième ordinateur. J'ai que des ordinateurs dans ma chambre. Maintenant, j'ai mon lit aussi, une commode. Bah, je vais leur mettre un bureau. Voilà. Ouais. Non mais parce qu'ils en ont pas. Non mais ouais non je le dis c'est comme ça. Je vais leur mettre un bureau mais il y aura pas d'ordinateur dessus. Non mais parce que les ordinateurs dans les Sims c'est une mauvaise idée. En fait il y en a qui m'ont demandé ouais pourquoi tu mets jamais d'ordinateur? Mais c'est simple, pourquoi je mets jamais d'ordinateur? Parce que les Sims vont passer leur fucking temps dessus. C'est à dire que si je les laisse en libre arbitre, ce que je fais tout le temps, parce que j'ai trop de Sims, et ben ils vont passer vraiment tout leur fucking temps devant l'ordinateur. Genre ils feront vraiment que dalle d'autre. C'est-à-dire que dès qu'ils auront besoin d'un peu de distraction, ils vont faire « Oh bah tiens, je suis sur l'ordi. » Et ils vont tous se battre pour y aller, et j'y tiens pas trop. Ouais, je sais, je mets tout blanc encore. Les gens ils vont faire « Ah, c'est trop blanc. » Mais j'ai pas fait tout blanc en plus, hein, c'est pas vrai. Mentir, c'est mal. En fait, je mets un bureau surtout pour la déco quand on y pense. Non mais faut pas exagérer niveau plante, j'aimerais une plante normale d'intérieur s'il vous plaît. Oh, voilà, ça c'est joli. C'est space hein, quand même. Je sais pas. Non mais ça c'est trop petit. Ça c'est trop moche. Bah je vais mettre ça, allez, paf. Dans le coin. Oh non, je pouvais le mettre dans le coin. Hey. Comme ça, je peux... Ah ouais, non, c'est vrai, il y a la porte. Et si je décale la porte? Ah bah non, je peux pas non plus, ok. Je vais mettre ça, bien sûr, au-dessus du bureau. Je dis bien sûr parce que, désolé, mais ça me semble parfaitement évident. Bah, par contre, ça pète un peu les yeux, je suis en train de me dire. Ouais, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait changer l'intensité en jeu, mais je suis pas en jeu, là, ok. J'ai presque fini, mon dieu, c'est un miracle. Ah, ça fait déjà 40 minutes. C'est quoi? Globe des réponses. Et ça, c'est quoi? Lampe humeur changeante. Eh, il n'y en a pas une note d'une autre couleur, un truc comme ça. Ça, je trouve ça trop cool. Ah, il pourrait avoir un petit poisson. Ouais, mais s'ils ont un petit poisson... Je peux pas le poser sur le meuble, c'est sérieux, genre... Je suis pas capable de poser ça sur un meuble. Ta-da-da-da-da-da-da.
Je vais quand même leur mettre un truc de sport, parce que bon, je pense pas souvent, mais... Mais moi, ça faisait du sport avant. Je vais juste mettre un peu de déco là-dessus, là. Oh là, mais c'est immense, ça. Donc, carrément des grilles de métro et tout, quoi. Ah bah voilà, des stylos et tout. Ça a du sens. Oula, ouais, non, ça, ça en a un peu moins. Je sais même pas ce que c'est, ça. Oh, je veux mettre ça. Yay. Non, mais par contre, la lampe, elle fait vraiment trop, quoi, je trouve. Je vais mettre une petite lampe du bureau. Bah, il y avait écrit lampe de bureau, donc je pense que... Ouais, non, mais elle est moche, par contre. J'ai dit que je voulais une lampe de bureau, pas une lampe de merde, déjà, hein. Ouais, non, mais là, c'est beaucoup trop près. Je peux pas la mettre plus au fond. Ah, si. Non, mais l'intensité, c'est juste pas possible, en fait. Je vais mettre la lampe humeur changeante. Ouais, non. C'est con, hein, mais... J'en voulais... Il y en avait... Ah, oui. Ça, je le veux. C'est trop génial, en fait. C'est le truc où les couleurs changent dedans, j'adore. Ouais, mais pour le coup, alors je préfère la mettre là, quoi. Voilà. Et donc, la chambre de monstre et Ariana est finie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si elle vous plaît. Et je vous retrouve dans mes prochaines vidéos. Bye bye. Action.